good Jeremy feel game. A good Jeva Maro Sefaro. Esurami Murai feel Maudi as men run. A Serami feel goi. Esurami feel as Suri. Maure is providen. Voilà, bonjour à tout le monde. Que la grâce de Dieu qui surpasse l'or et l'argent vous soit abondamment donné au nom souverain de Jésus de Nazareth. Et bonne année par anticipation à tout le monde. Bonne année à vous. Bonne année à votre famille, à votre maison, à vos enfants, à vos amis, à vos connaissances. Nous sommes en train d'aborder la dernière ligne droite. Nous y sommes dans tous les cas. La dernière ligne droite de 2024, qui eut cru, comme quelqu'un a dit un jour, qui eut cru, et en plus une bonne conjugaison, qui eut cru, qui aurait cru que nous verrions 2024. Bien-aimés, le Seigneur est fidèle, restons-lui fermement attachés. Alors, je vous annonce quelque chose de gros, le scoop de cette semaine, quelque chose de très fort, quelque chose de merveilleux, quelque chose qu'il te faut pour 2024. C'est un prophète qui te parle. Et avant d'entrer en 2024, il te faut cette chose. C'est un secret que j'ai pour toi. Je vais te le partager par amour pour toi. Il te faut cette chose. Avant d'entrer en 2024, en tant que prophète, je voudrais t'encourager à ne pas entrer sans avoir posé cette action prophétique qui aura lieu ce dimanche 24 décembre, à partir de 7h30 à la Bire, ici à Yaoundé. Dimanche 24 décembre. Mets cette date dans ton agenda. Dimanche 24 décembre 2023. Il y a quelque chose que tu dois faire. Et n'entre pas en 2024 sans avoir accompli ce geste devant Dieu. Ce qu'on appelle les actes prophétiques. Ce dimanche 24, cette annonce, cette parole, cette révélation s'adresse à toi, à ta famille, à ta femme, à ton mari, à tes enfants, à tes amis, à tes connaissances, à tous ceux qui habitent ta maison. Dimanche 24 décembre, mets ça dans ton agenda. Nous aurons le service de lavement de la face. Service de lavement de la face. Je pense que pour ceux qui sont avisés, ils comprennent, sans que je n'explique même, la portée spirituelle de cette action prophétique devant le Seigneur. Vous voyez, dans les Saintes Écritures, par plusieurs moyens et plusieurs fois, il y a eu des actes prophétiques qui ont été posés par des prophètes et par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Une fois, un roi visitait un prophète et le prophète lui a dit de prendre une flèche, de frapper le sol avec. Il a frappé 3 fois. Il s'est arrêté. Le prophète s'est fâché contre lui. Il a dit, fallait frapper jusqu'à ce que je te dise au moins 3, au moins 4, 5 fois. Or, il fallait qu'il frappe jusqu'à ce que le prophète lui dise d'arrêter. Et puis le prophète va lui dire, ah, si tu avais frappé au moins 4, 5 fois, 6 fois, 7 fois là, tu aurais vaincu tes ennemis pour toujours. Mais maintenant, tu as frappé juste 3 fois, tu auras 3 victoires sur eux et la 4e fois, ils vont te vaincre. Mais pourquoi frapper la flèche par terre?
il y avait une signification spirituelle. C'était une flèche de l'Éternel dans le camp de ses ennemis. Bien-aimé, le service de lavement de la face. Si vous êtes à Yaoundé, vous n'êtes pas à Yaoundé, vous êtes dans quelque pays que ce soit, faites-le avec nous. Donc, sois connecté en direct dimanche le 24 décembre. Ne manque pas, ne rate pas. Sois connecté en direct. Qu'on ne te raconte pas, toi-même tu dois vivre ça. Jésus-Christ, à un certain moment, s'est senti obligé de laver les pieds de ses apôtres, de ses disciples, pas seulement les apôtres, parce qu'il y avait aussi les femmes dedans, il y avait tout le monde. Tous ceux qui étaient dans l'assistance, il a lavé leurs pieds. Nous, on va laver nos faces. Parce que toutes ces choses-là ont une signification prophétique. Jésus-Christ est le plus grand prophète et il est le père des esprits des prophètes. Pourquoi il a lavé les pieds des disciples? Il y a eu deux leçons qu'il fallait retenir du lavement des pieds des disciples. La première leçon, c'était celle de l'humilité, où le Seigneur leur a dit, si moi, votre maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi lavez-vous les pieds les uns les autres. Mais vous ne me direz pas que c'est juste pour une leçon d'humilité que Jésus-Christ va demander aux apôtres de laver leurs pieds, qu'il va laver leurs pieds. Non, ce n'était pas seulement pour ça. Il y avait une autre raison qui était même la principale. Le Seigneur Jésus-Christ leur avait donné une prophétie internationale. Et en lavant leurs pieds, ils brisaient toute malédiction ancestrale, familiale, qui agissait dans leur vie par rapport au voyage et à la mission évangélique qui leur avait été donnée. La Bible dit que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je le donnerai en possession. Donc Jésus leur donnait en possession tout lieu que fouleraient les plantes de leurs pieds. En lavant leurs pieds, il avait brisé une malédiction. La malédiction des barrières et des limitations sur le plan évangélique, le ministériel, et sur le plan du voyage à l'international. Alors, à partir de ce moment, à partir de ce lavement des pieds, ils avaient reçu la clé de posséder tout lieu qu'ils fouleraient. Voilà pourquoi partout ils sont allés, ils ont été des conquérants, et ils ont soumis les autorités, ils ont soumis les dominations, ils ont soumis les esprits territoriaux, et ils ont pris autorité, ils ont pris possession de leur territoire. Voilà pourquoi aujourd'hui leurs noms sont cités partout dans le monde entier. C'était à cause du service de lavement des pieds, mes amis. Voilà pourquoi partout où ils arrivaient, le diable regardait leurs pieds et trouvait qu'il n'y avait plus aucune condamnation sur leurs pieds. Il n'y avait plus aucun lien avec les limitations spirituelles de leur famille. À partir de ce moment, Satan ne pouvait pas les empêcher de prendre possession des terres vers lesquelles le Seigneur les avait envoyés comme conquérants. Nous allons laver nos faces. Pourquoi? Parce que nous savons aujourd'hui que dans les pratiques de sorcellerie, dans le satanisme, lorsque le diable veut faire du mal à quelqu'un, il attache sa face, il met un voile sur sa face. Et c'est cela que la Bible dit que c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Donc on parle de l'oiseleur, c'est celui qui retient ta destinée dans un filet. En lavant ma face, je me dégage de toute malédiction qui vient assombrir ma destinée. Assombrir ma face, c'est-à-dire ma destinée, ma vie. Parce que la face est comme, si on assombrit ta face, on a assombri ton rideau, le rideau de ta vie, on a jeté un rideau noir sur ta vie. C'est pour cela que vous voyez que certaines personnes n'arrivent pas à s'en sortir dans la vie. Vous savez, mes amis, la Bible parlera du prophète Balaam qui va bâtir 7 autels contre Israël. Parfois, quand je prophétise et que je révèle les œuvres de sorcellerie, qu'on a amené ton nom comme ça, on a pris tes choses, on a amené comme ça. Il y a des gens qui se demandent parfois, que, mais pourquoi cet homme, il doit toujours prophétiser sur, il y a un marabout. Attendez, vous avez des milliers de personnes qui sont rassemblées. Et moi, Dieu m'a donné ce don de déceler dans des milliers de personnes ceux sur qui le diable a travaillé, pas ses serviteurs, les marabouts, bien les sorciers. Dieu m'a donné le don là. Même si tu es caché comment dans une foule, l'Esprit de Dieu m'amènera vers toi à chacun. Dieu a donné un don particulier. Ma part, c'est ça. La Bible dit que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc il faut absolument que tu laves ta face. Que tes enfants lavent leur face. Même les bébés à la mamelle qui lavent leur face, c'est important, avant 2024. À partir de ce moment, le diable n'aura plus un droit légal sur nos vies, sur nos familles, et ne pourra plus toucher à nos activités, à nos entreprises, à nos projets, à notre
projet de mariage, de société, d'entreprise, de voyage, etc., etc. Ces actions prophétiques nous donnent des accès spirituels indicibles. Des choses qu'un homme charnel ne peut pas comprendre. C'est important de laver la face. Vous allez vous rendre compte que, pour ceux qui ont fréquenté les marabouts, aucun marabout ne travaille sans action maléfique. C'est ce que nous on appelle action prophétique. Sans action maléfique. Il va te demander, apporte la poule, égorge un coq, ou prends cette pièce d'argent, ou fais ceci ou cela. C'est une loi spirituelle. C'est-à-dire que c'est une loi dans la dimension spirituelle. Et Satan provient de la dimension spirituelle. Il a été fils de Dieu. Il a été un grand général dans l'armée de Dieu. Donc il connaît les méthodes que le ciel emploie. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, ou bien tous les livres eschatologiques, Daniel, Ézéchiel et l'Apocalypse, vous allez vous rendre compte que c'est des livres qui sont pleins de codes. Et le lavement de la face est un code spirituel pour débloquer un niveau dans ta vie que tu ne peux accéder, auquel tu ne peux accéder que par un acte prophétique fort. Donc, bien aimé, ce dimanche 24 décembre, vraiment, si vous manquez ça, moi, je ne sais pas. C'est que je préfère perdre toute ma richesse que de manquer à ce culte. Je préfère qu'on prenne tout, on prend tout ce qui m'appartient, mais que j'ai ce lavement de face. Parce que je sais qu'à partir de là, je posséderai en 2024 ce que je n'ai pas pu posséder en 2023. Je suis un prophète et je parle un langage prophétique à ceux qui sont fils de prophètes. Tous ceux qui sont animés par l'esprit de la prophétie qui est l'esprit du témoignage, ils comprendront que c'est quelque chose qui est important. Vous n'irez jamais chez un marabout sans qu'il ne pose une action maléfique satanique, qui vous ait demandé de poser une action satanique. Parce que c'est des lois. C'est comme ça que ça se passe dans le spirituel. C'est ça que parfois Jésus pouvait utiliser sa salive, utiliser la poussière de la terre, vous voyez, amener quelqu'un en brousse. C'est-à-dire, il est en plein culte, on s'est dit, toi viens, il disparaît dans les hautes herbes. Et il va poser un acte prophétique là-bas. C'est cela que, quand elle était baptisée, il y a eu une voix, il y a eu une colombe. Le Saint-Esprit prend la forme d'une colombe, il se pose sur les épaules du Fils de l'homme. Pourquoi cela? Pour nous enseigner quelque chose. Les actions prophétiques sont comme des paraboles. Ouais, c'est des symboles qui représentent, qui ont une grande clé, qui sont des clés, qui ont une puissance, une autorité spirituelle inouïe pour renverser les forteresses les plus résistantes. Donc dimanche 24 décembre, dans toutes nos églises, il y aura servi le lavement de la face. À la bille, nous serons là. Toute l'église de Ntui, c'est le dernier culte, c'est le culte familial en même temps. Où nous nous présentons avec nos offrandes de famille, de consécration familiale, on présente les dernières offrandes de l'année 2023 dans le cadre d'un culte à l'Éternel notre Dieu. Donc, ne reste pas à la maison. Il y aura un service d'eau ointe. Nous allons nous laver la face. Il y aura aussi le service des bus qui est restauré. C'est-à-dire qu'il y aura une ligne du côté de Biémassi là-bas. Et suivez les informations qui seront données sur ma page. Du côté de Biémassi, Mendon, Biémassi, et ça va passer comme ça. Ramasser les gens jusqu'à la poste. Il y aura un autre bus qui va prendre les gens à partir de Nkozoa, la ligne de Nkozoa, en passant par Messassi, Emana, Etoudi, voilà, Lonkak, et puis Omnisport, Mimboman, et Nkwabon. Et il y aura une autre ligne qui sera ouverte du côté de Soa. Un bus va porter les gens à Soa pour aller de Soa, passer, pour passer déjà l'itinéraire jusqu'à Omnisport, Langous Omnisport. Et puis passer vers Essos, lycée bilingue d'Essos là, et puis hôtel du plateau, descendre Mimboman, et puis aller en Kwaba. Donc les bus sont gratuits. Tout ça c'est parce que mon souhait c'est que tout le monde puisse être là. Que chacun puisse avoir part à cette grande bénédiction. Donc dans tes affaires ça ne va pas, on a attaché ta face. Ton mariage ça ne va pas, on a attaché ta face. Tout ce que tu entreprends c'est compliqué. Ça peut commencer bien, ça finit mal. Dans tout cas, nous serons là dimanche 24. Dans tous les cas, tu connais déjà l'information. Prends la bonne décision. La Bible dit que Jésus a dit à Marthe, Marthe, tu te soucies pour beaucoup de choses en même temps. Marie a choisi la bonne part. Je t'exhorte à choisir la bonne part. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Bye. Et l'huile de faveur sera disponible pour tout le monde. Voilà, l'huile de faveur aussi pour l'onction générale familiale. Et Dieu nous bénira. Bien-aimé, je t'en supplie, le culte, je ne joue pas avec. Mais si tu avais un voyage, annule-le. Quel que soit le programme que tu avais, annule le programme et sois
à la bille, soit avec nous. Par un prophète, Israël fut appelé hors de la maison de la servitude. Par un prophète, Israël fut gardé. Un prophète sera au milieu de vous. Et dimanche, le 31 décembre, nous avons Exodus Night à la Bire et dans toutes nos églises. Mais tu seras à Yaoundé. Les églises qui sont à côté de Yaoundé seront avec nous à la Bire à partir de 21h. Et je serai en France au niveau de la salle La Lune d'Or, 20 avenue des Courtes et plus. 9100 Barnabé, Villabé. Voilà, voilà l'adresse. Nous serons là, bien-aimés. Pour la première fois, je serai avec les frères de la diaspora. Nous allons traverser en 2024 ensemble. Ça sera un moment tel que tu n'as jamais vécu en Europe. Donc l'Europe est bénie, l'Europe est visitée, l'Europe est... C'est-à-dire, Dieu vous a réservé un cadeau extraordinaire. Je ne veux pas trop bavarder. Il faut juste être là. Si tu manques à ces rencontres, tu es en Europe, bien-aimé, c'est que tu as sacrifié ton année 2024. C'est que tu ne connais pas ce que tu veux dans cette vie, sincèrement. C'est que tu n'aimes pas ta propre vie. Fais tout pour être là, à la salle qu'on appelle la salle de fête Lune d'Or. 20 avenue des Courtes et plus, 1100 Villabé. Sois là. Villabé sur Marne. Ne manque sous aucun prétexte. Tu n'entreras pas en 2024 avec cette malédiction. Tu n'entreras pas en 2024 avec cette maladie. Tu n'entreras pas en 2024 avec cette limitation. Tu n'entreras pas en 2024 avec ce fardeau. Non, non. C'est impossible. Si c'est ton vœu, ton désir le plus profond, rejoins-moi à Paris pour l'Exodus Night, la nuit de l'Exode, la nuit où nous et nos familles nous sortons de la maison de la servitude. Que Dieu te bénisse. Partage cette vidéo au maximum de personnes, je t'en supplie. Et comme tu le fais, que le Seigneur Dieu soit ton Dieu, qu'il soit ton bon berger. Comme il a dit, Ego imhe opohim et ho kalon. Moi, je suis le bon berger. Shalom, shalom et shalom.